وشكر موصول الى جميع مسؤولين الولايه الممثلين سيد المدير ممثل الوالي سيد ممثل وزاره الفلاحه وسيد رئيس الجامعه وممثل الجامعه والحضور الكرام Donc sans tarder, je vais essayer de présenter ma communication qui s'intitule l'émergence d'un pôle agrumicole. Alors, le pôle agrumicole, je pense qu'on est dans la capitale des agrumes, je pense, hein, avec ce qu'on a entendu ce matin, avec le centre de recherche spécifique pour l'agriculture. Donc je pense que c'est bien nommé le pôle d'agrumes à Chef et peut-être d'autres pôles ailleurs en Algérie. Donc ma communication, je vais essayer de donner quelques éléments de cadrage de la filière rapidement parce qu'il y a des collègues qui vont intervenir après. Mais comme notre ami Mendine a eu un empêchement, j'ai pensé utile de planter quand même un petit peu le décor de cette filière, combien important qu'on a dit. Donc je vais faire un élément de passage sur la filière agrume en Algérie pour voir un peu les éléments essentiels de cette filière. Et je vais vous proposer un diagnostic rapide en termes de force faiblesse, opportunité, menace. Et j'attaque la méthodologie des pôles. Hein. Donc c'est une intervention à caractère pédagogique et méthodologique pour nos partenaires, nos collègues chercheurs et pour nos professionnels. Donc c'est le plan d'exposé. Je ne sais pas si c'est toujours maintenu les 30 minutes ou bien avec les événements ça. Hein. Alors, pour donner un élément sur l'importance de la filière dans le secteur agricole, donc à travers les plantations fruitières, en termes de superficie, la SAM Algérie, c'est à peu près 8,5 millions d'hectares. Et je ne vais pas rentrer dans les chiffres, je vais tout relativiser, hein, parce qu'on sait notre appareil statistique, il est ce qu'il est. Donc c'est pas la peine de rentrer dans des polémiques, on est là juste pour donner les tendances. Il faut essayer d'y aller vers le mieux. Alors, les agrumes, dans les plantations, ils occupent 7,5% avec une superficie de 64 761. Ça, c'est les chiffres de la CIRB du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 2013. Donc, c'est des chiffres actualisés. Et donc, vous voyez bien qu'elle occupe en termes de superficie dans les plantations la quatrième place après l'olivier, les noyaux pépins, palmiers datés. Et après, les figuiers et les autres, les plantations fruitières, c'est 865 000. 865 000, c'est à peu près 10% de la SAU. C'est ça ce qu'il faut retenir. La superficie des plantations, c'est à peu près 10% de la sol affectée à la SAU, la superficie agricole utile. Alors, en termes, aussi pour donner de la visibilité à la filière, en termes économiques, en termes de valeur, aussi, j'utilise les derniers chiffres du ministère de l'Agriculture. Ça, c'est le bilan du ministère de l'Agriculture en termes de valeur des filières, combien ça nous coûte. Alors, le chiffre qui est proposé, c'est à peu près 2 521,5 milliards de dinars. Si on va convertir en dollars, qu'est-ce qu'on va dire? Et si on va prendre un taux de conversion moyen de 100 dinars par dollar, ça nous fait à peu près, notre agriculture, pèse à peu près 25 milliards de dollars. Avec 10 milliards qu'on est en train d'importer, donc ça nous donne la facture alimentaire, elle est autour de 35 milliards de dollars en Algérie. Aujourd'hui, pour faire alimenter la population algérienne, la production locale, elle est assez importante. C'est l'équivalent entre
20 et 25 milliards de dollars, plus les 10 milliards. Mais ce qui est important là, c'est la valeur de la filière agrumes. Donc elle représente 6%. Donc 6%, si on fait le rapport, on va tomber sur à peu près 1 milliard 200, 1 milliard jusqu'à 1 milliard 400 de dollars. Ça veut dire que ce qui est planté aujourd'hui, ce qui est produit, ce qui est vendu sur les marchés de gros, en valeur, si on va l'exporter tout, à la valeur, c'est à peu près 1 milliard, 1 milliard 200 jusqu'à 1 milliard 400 de dollars en Algérie. Ce qui donne à peu près 6 et quelques pourcents de la valeur globale de ce qui est produit par le secteur agricole. Donc ça, c'est la visibilité de la filière en termes d'importance de superficie et en termes économiques. Donc c'est le chiffre qu'il faut regarder et qu'il faut retenir. Alors maintenant, on revient à notre région Chlef, notre wilaya, notre belle wilaya. Et notre université, Masha'Allah, Hassiba Bourgouali Madraka, elle représente une place importante dans les superficies. Donc après Blida, la région de la Métidja, qui a la première part, donc Chlef, en termes de superficie complantée, c'est ça ce que j'ai retenu comme critère de classification, donc c'est le premier critère, ce qui est planté comme arbre. En production, ou là, il va être en production. Donc, Chlef. Et ensuite, on a Alger. Et ce que j'ai mis en orange, l'orange c'est la couleur de la grue, c'est à peu près 4 wilayas. Parce que je raisonne le régional, et les wilayas limitrophes de Chlef, c'est Réizen, Mestranem, et même Mascara. Et pourquoi pas Blida aussi. Et ça nous donne un petit peu une région spécialisée dans la production d'agrumes. Donc là, il faut réfléchir en termes de capacité d'un pôle régional qui est piloté à partir du Chlef parce qu'il y a un centre qui est en train de se mettre en place. Je pense que ça, c'est le potentiel un petit peu de la région en termes de filière. Donc ça, c'est les données qu'on a. Et vous avez à droite la question des rendements. C'est une question cruciale, les rendements dans la filière. Mais pour examiner les rendements, je vous propose d'y aller un petit peu, faire une rétrospective rapide. On va essayer d'y aller plus que 50 ans. Pour voir un petit peu d'où est-ce qu'on vient. Alors, si on consulte les chiffres, ça c'est des chiffres de la FAO. Hein. Notre ami M. Assaf, représentant de la FAO, nous a permis avec la FAO d'utiliser ces chiffres parce qu'il nous donne ici depuis 61 jusqu'à 2012. 2013, on peut donner le chiffre parce qu'on l'a. Mais on peut contester ces chiffres. Mais on ne peut pas contester les tendances, les grandes tendances. Ce qu'on peut tirer comme ça sur 50 ans, c'est que sur un quart de siècle, 24-25 ans, les rendements ont stagné. On a repris le chiffre à peu près des années 77-78. Après 24 ans, on a repris les 5 millions de quintaux en termes de production. Mais ce qui vient après, c'est encourageant. C'est la dynamique de production. C'est en 8 ans à peu près, la production a doublé. On est passé de 5 à 10 millions de quintaux. Donc le chiffre de 2012. Je pense qu'en 2013-2014, la production elle est encore plus intéressante et plus élevée que ça. Mais c'est ça ce qu'il faut garder comme tendance. Alors, la deuxième tendance, c'est en termes de superficie. Si on consulte les chiffres, on constate qu'on est passé dans les années 70 d'à peu près 70 000 hectares. Et dans les années, la milieu des années 70, la chute brutale de ces superficies. Vous voyez bien qu'on a perdu au fil du temps presque 30 000 hectares qui a disparu des plantations d'agrumes. Et bien sûr, ça s'explique parce que, notamment à l'ouest, là c'est la question d'eau qui est déterminante. Hein. C'est la sécheresse qui a suivi, notamment à partir de 1974, dans les régions de l'ouest, de Chlef jusqu'à Mohammedia et Mascara. Et donc, là aussi, on a une stagnation dans les superficies, dans cette période, à peu près autour de 40 000 hectares. Mais la dynamique, elle est là, à partir des années 2000, on commence à avoir une tendance à la hausse, ce qui est encourageant. La tendance, elle est là, et je pense que c'est visible, hein. Ça c'est l'effet des plantations, l'effet de renouveau, de PMDA, de subvention, du soutien de l'État. Il y a une dynamique qui a été lancée, elle est ce qu'elle est, mais la dynamique, elle est là, la tendance, elle est là. J'espère qu'elle va prendre encore de la lumière. Alors, la question des rendements est revient. Le dernier chiffre sur les rendements, sur 50 ans, voilà les rendements. Donc, vous voyez bien que presque sur 40 ans, on n'a pas atteint les 50 quintaux à l'hectare. Sur presque 50 ans depuis l'indépendance.
C'est bien après les années 2000, 99-2000, que les rendements commencent à dépasser 115 par l'hectare. Et là aussi, la tendance elle est intéressante sur la dernière décennie. C'est à peu près sur 10 ans, 9 ans, 10 ans, les rendements sont multipliés par 2. Ça veut dire qu'on parle de 200 quintaux en moyenne. Mais je sais qu'il y a des gens qui font des pics, mais je parle des moyennes, c'est à peu près les tendances de 200 et beaucoup plus de 200. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir, une stagnation à long terme, mais la tendance, la dynamique, elle est là. Donc les rendements se sont en train de doubler, et ça c'est très encourageant, parce que le travail, c'est là, c'est les rendements. Il y a des gisements de productivité qu'il faut les faire fructifier. Et justement, je pense l'objet de nos experts et de nos chercheurs et de nos professionnels, c'est la question des rendements, comment les faire bouger plus, parce que si on gagne la bataille des rendements, on va pouvoir améliorer la productivité, on va améliorer l'offre nationale en termes d'agro. Donc l'enjeu aussi, c'est les rendements par unité de surface, et c'est la technicité, elle est là. On va y revenir dans le détail. Bon, ça c'est un diagnostic rapide que tout le monde partage, mais je dirais un mot sur ça. J'ai parlé sur les rendements. Donc le fait qu'on a des rendements très faibles, ça c'est une faiblesse, parce que ça augmente les coûts. Et donc, on ne peut pas améliorer la productivité. Il y a un problème d'eau, c'est une contrainte majeure, la ressource d'eau. Et puis, il y a le problème des spécialistes qui nous parlent de gamme variétale. Il y a un problème, j'espère que les spécialistes de la question des vergers sur les gammes variétales, c'est l'étalage de ces gammes dans la saison de l'année et la spécificité des variétés par rapport à l'industrie, par rapport à la transformation et par rapport à l'exportation, par rapport aux niches d'exportation. Donc les variétés adaptées dans le verger, c'est très important, c'est quelque chose d'un élément déterminant aussi dans le développement de ce verger. Alors, les opportunités quand même, il y a des opportunités, il y a des forces. L'opportunité première, c'est le marché algérien. On a un marché très important qui n'est pas encore saturé, qui n'est pas encore satisfait, il y a encore demandeurs. Là, il y a à peu près 40 millions de consommateurs. Monsieur le Président, quand il a parlé de vitamine C, c'est très important la vitamine C pour nos enfants, pour nos vieux, pour tout le monde, surtout qu'il va les mettre à acheter. Donc, il y a une demande qui n'est pas satisfaite. Donc, il y a déjà quelque chose de très important, ça c'est une opportunité. Donc, il y a un marché à gagner chez nous. Mais aussi la proximité de l'Union Européenne, puisqu'on est dans les zones méditerranéennes, le marché européen étant le premier marché dans le monde en termes de demande alimentaire. Donc là aussi la proximité, ça nous permet d'avoir des professionnels pour nos producteurs. J'ai vu tout à l'heure la qualité du produit. Donc il y a une possibilité de placer ce produit à terme, avec une segmentation de la qualité. Bien sûr, on doit dire quelque chose sur le renouveau agricole, nos amis le secteur agricole sont là. On doit quand même les encourager, les soutenir, comme ça ils peuvent soutenir encore mieux nos agriculteurs. Donc, il y a un travail qui est fait par le secteur de l'agriculture, il y a un travail qui est fait dans le soutien de l'État, et donc peut-être il faut améliorer ce soutien, améliorer cet accompagnement et ce rapprochement avec les professionnels pour gagner en termes de production et de productivité. Il y avait Voilà. L'une des menaces, c'est l'importation des matières premières. Nos industriels, nos transformateurs, jusque dans les années 80, ils travaillaient avec le produit local. Mais maintenant, ils ne cherchent plus le produit local, parce que c'est plus rémunérateur le produit local. Le frais déjà est de concurrence, le marché de frais concurrence, le prix de la matière première est très élevé. Donc nos industriels, ils sont retournés automatiquement vers l'importation de la matière première. Quand on dit l'importation de la matière première, c'est Sao Paulo, c'est le Brésil, c'est la Floride aux États-Unis. Donc ils ramènent des bateaux aux citernes et ils ajoutent de l'eau, un peu d'emballage, ils les mettent sur le marché, ils sont gagnants. Mais l'agriculture algérienne, où est-ce qu'elle est dans tout ça? Donc ça, c'est une menace. D'accord? Il faudrait qu'on encourage la production, on encourage les liens avec nos industriels pour que même Romain, ils investissent dans ce secteur. Et donc, ça nous dit qu'il y a un travail à faire, il y a un travail d'organisation très important à faire, il y a une implication de la recherche, des chercheurs, une implication des professionnels, une implication des industriels, et bien sûr avec l'accompagnement des structures de l'État, les institutions techniques, l'État, le CNCC,
tout ça, ça m'amène à dire tous ces ingrédients, ce sont les éléments d'un pôle. Donc ils constituent un système, et donc c'est le pôle qu'on devrait le faire émerger, le pôle agricole, et j'espère qu'il va démarrer à partir de Chlef, parce qu'il y a tout le potentiel, il est là, il y a la structure qui vient d'être installée, donc il y a tous les ingrédients qui nous permettent de lancer ce pôle. Alors comment lancer ce pôle? Grosso modo, le contexte, vous le connaissez, l'Algérie est rentrée dans les structures de la mondialisation. L'Algérie, elle a signé l'accord d'association avec l'Union Européenne. Dans 2 ans, normalement en septembre 2017, mais il est en train de voir jusqu'à 2020 pour qu'on rentre dans la zone de libre-échange. Alors, rentrer dans la zone de libre-échange avec l'Union Européenne, ce n'est pas facile. Ça veut dire notre agriculture, notre agrume, notre système de production sera en face du système européen. Il n'y aurait plus de protection, plus de barrières. Donc notre ingénieur, notre système de production, notre agriculteur et notre orange va se mettre en face d'un système européen, espagnol, voilà, italien, voilà, la Méditerranée, qui est un système aujourd'hui qui est très performant. Donc il y a des enjeux à prendre en considération. C'est demain la zone de libre-échange. Même avec nos amis arabes, avec la grande zone de libre-échange arabe, avec les Tunisiens et les Marocains, c'est pas encore gagné. Donc tout ça, c'est des paris à relever. L'OMC, bientôt, mais le problème, c'est les zones de libre-échange. Ça veut dire quoi? Il faut être compétitif. C'est ça l'enjeu, c'est ça le maître mot. Donc, il faut être compétitif. Et quand je dis compétitif, ce n'est pas que l'agriculteur. Ça veut dire tout notre système de production, il doit être compétitif. Ça veut dire le pôle, il doit être compétitif. Tous les éléments du système, y compris notre formation. On est avec les collègues de l'Institut de l'agronomie. Je viens de l'École supérieure d'agronomie. Tout notre système de formation, il doit se mettre à niveau pour qu'on puisse produire l'ingénieur qui pourra prendre le défi pour se mettre en face de cette compétitivité. Donc tout le monde y se remet en cause, même notre système de recherche. Donc M. Valfeller, l'agriculteur, c'est tout le système qui doit se mettre à niveau pour produire un système algérien agréable qui doit être en mesure d'affronter ces défis. Alors c'est ça un peu les enjeux. En termes de volonté politique, l'élément essentiel, c'est la SNAT. La stratégie nationale d'aménagement de territoire. C'est ça un petit peu le grand cadrage de notre développement futur. L'horizon 2030. Tous les secteurs ils vont s'imbriquer dans cette stratégie d'aménagement de territoire. Et pourquoi je mets ça? Parce que dans cette stratégie qui est publiée dans la loi de 2010, on peut trouver ce genre de pôle, d'agropôle, voilà, de technopôle, voilà, de ces centres de recherche qui sont mentionnés dans les secteurs. Dans le secteur de l'agriculture, on va voir que les éléments qui vont déterminer, c'est les 4 lignes directrices pour la mise en œuvre de cette SMAT, la durabilité des ressources, donc ça c'est déterminant, le rééquilibrage du territoire, l'équité sociale et territoriale, et l'attractivité et la compétitivité des territoires. Donc on parle de la compétitivité d'un territoire. Si on est à Chir pour la région Tarantija ou la région des agriculteurs. Donc tout ce système qui est à l'intérieur de ce territoire doit être compétitif. Imaginez l'agriculteur. Donc tout le système qui intervient dans la production doit être attractif et compétitif. Bon, je fais allusion au ministère de l'Agriculture parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le cadre de l'UNO. C'est le lancement des, comment on appelait ça, les pôles agricoles intégrés, les PAI. Et c'est dans cette philosophie que le pôle peut s'intégrer. Dans le secteur agricole, ils ont réfléchi à cette façon de faire. Ils ont même prévu pas mal de pôles qu'ils devraient lancer. Mais je pense que la région de Chlef, elle est candidate à lancer ce pôle. Donc il y a tout un dispositif qui est prévu. Je vais passer sur ça. Alors, qu'est-ce qui était prévu? Alors à l'époque, c'était en 2008, je pense, ça a été lancé. On parlait de pays agricole à Bouira, on parlait de pays céréal à Steve, le pôle de laitier de Sogharas, un pôle polycycle à Biskra, un pôle de pommes de terre, là à côté, à Infla, un pôle industriel à Bjaya, et on ajouterait un pôle agricole à Chlef. Personne ne peut nous empêcher d'ajouter ça. Donc on est autorisé à mettre ça pour vu qu'on ait la capacité et le potentiel, il est là. Donc, il y a des exigences pour mettre en place les filières agroalimentaires. On est dans un nouveau contexte de libéralisation.
Donc il faut renforcer les capacités des institutions et des acteurs des filières. Cette mise à niveau exige la création de dispositifs de coordination, d'animation, d'appui scientifique et technique. Donc c'est ça le pôle. C'est ça ce qu'on cherche. C'est créer ce dispositif de coordination. Donc le pôle, il a un objectif de coordination. C'est-à-dire, parce que souvent, on ne se connaît pas. Souvent, on fait des redondances. Et on ne profite pas des capacités et des compétences. D'animation et d'appui scientifique. Par exemple, aujourd'hui, ça rentre dans ce cadre-là. C'est une journée d'animation et d'information et de communication et de coordination sur une filière donnée. La filière, elle est déterminée, c'est les agréments. Alors, permettant de s'insérer avec le maximum d'efficacité dans le processus de mondialisation. Il faudrait qu'on cherche à optimiser notre système. Il faut qu'on soit efficace. Chacun dans sa spécialité. Donc la mise en commun des compétences, il faudrait que les gens qui travaillent sur une filière donnée se mettent en commun, et se mettent en réseau et capitalisent leur savoir. Dans les départements ministériels, il y a des compétences, il y a des expertises. Les institutions de formation, dans nos instituts, nos universités, voilà, les écoles, dans les entreprises de l'industrie agroalimentaire, voilà, des intrants. On a eu tout à l'heure des gens qui travaillent sur les intrants agricoles, les facteurs de production, et les associations de professionnels. Adobe est passé. C'est l'organisation professionnelle. Alors, un réseau formalisé en vue d'être un interlocuteur pour les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire et les partenaires internationaux. Je pense qu'autour de ce centre de recherche, voilà ce pôle, on peut formaliser une structure qui pourra être l'interlocuteur devant les secteurs et les acteurs agricoles et agroalimentaires. Et devant même les partenaires internationaux, parce qu'aujourd'hui on a avec nous nos partenaires internationaux de la Méditerranée. Donc c'est une opportunité pour qu'on ait cet accompagnement et cette expertise. Le réseau des équipes regroupant les universitaires, donc il y a un réseau à constituer entre les chercheurs et les universitaires. Il y a les opérateurs et décideurs autour des pôles agricoles intégrés. Donc il y a la direction d'agriculture, il y a la chambre d'agriculture, il y a les professionnels, il y a les associations. Et construit sur des territoires préalablement identifiés. Donc il faut juste identifier le territoire de l'agriculture. Est-ce que c'est la wilaya du Chleuf? Est-ce que c'est quelque wilaya du Trof? Ça, c'est des réflexions à vous laisser comme un projet. On peut le faire émerger. Alors, développement des filières agroalimentaires performantes, définir une stratégie qui s'intéresse à l'ensemble des segments, maîtriser des connaissances indispensables à son bon fonctionnement. Donc tout ça, c'est les préalables pour lancer le pôle. Je vais passer. Alors, dans le monde, on parle de plusieurs terminologies. On nous parle de district industriel, on nous parle des clusters, à moins les Allemands. On nous parle des parcs scientifiques, des technopoles, les systèmes productifs localisés chez certains chercheurs français, notamment Jean-Louis Raspoir, et les pôles de compétitivité, etc., etc. Vous voyez bien que les dénominations, elles sont importantes. Elles sont plusieurs dénominations, mais l'essentiel, c'est le contenu. C'est l'idée, le contenu. On peut l'appeler ce qu'on veut, mais l'essentiel, c'est le contenu, c'est le pôle. C'est la synergie qu'on cherche. Alors, les dispositifs d'innovation entre polarité scientifique, polarité économique et géographique. Il y a trois dimensions. Soit la dimension économique, la dimension sociale, scientifique, la dimension géographique. Donc, toutes ces appellations, elles répondent à ces critères-là. Et nous, on cherche le dernier qui est catalyseur et développeur des clusters, la polarité scientifique, la polarité économique et la polarité géographique. Parce que la géographie, elle est bien déterminée. Alors, les exigences, c'est quoi? Voilà les fondements. Le territoire, le lieu de création d'activité. Moi, j'ai mis Chleuf Métidjan. La fertilisation croisée. Les spécialistes parlent de fertilisation croisée. Donc, la recherche-développement, elle est là. C'est l'université, c'est les écoles, c'est les centres de recherche. Donc, c'est le lieu de l'innovation. La formation, donc, c'est l'université, les écoles, les compétences, elles sont là. On a l'entreprise et le marché. Et on a la ville pour la région. C'est la culture, les échanges de l'argent. L'idée fondatrice, initiative collective, proximité, convivialité, les réseaux, les synergies, l'animation et le pilotage. Donc ça, c'est les mots-clés pour lancer un pas. Il faut partager ces concepts. D'accord?
Alors, on a voulu un petit peu schématiser comme une plante, parce qu'on est en agronomie. Donc le pôle, c'est un écosystème créateur de valeur. Et donc vous voyez le cœur, il est au milieu du cœur du pôle. Vous avez la recherche développement, vous avez les entreprises. Quand je dis entreprises, agricoles et agroalimentaires. Hein. Vous avez la formation, donc c'est les écoles et les universités. Et vous avez les services d'accompagnement, services publics, privés. Donc vous avez des fournisseurs et des clients qui alimentent. Et vous avez la serve qui monte avec des idées, des compétences. Et avec, bien sûr, le nerf de la guerre, c'est le financement public, privé. Bon, on va passer l'aspect, ça c'est le développement durable qui est contenu dans cet objectif. Alors, les facteurs clés de réussite. Il y en a à peu près 6 facteurs clés. Voilà. Voilà les 6 facteurs. Le premier élément de réussite, c'est il faut les 3 acteurs. L'entreprise, l'unité de recherche et développement et la formation. Ça, c'est le noyau dur pour lancer un pôle. Et je pense que ces éléments, ils sont vérifiés dans le cadre du Schluck et dans le cadre de la filière agricole. Ça veut dire, les entreprises, les professionnels, ils sont là, les agriculteurs, les industriels, l'agrofourniture, c'est-à-dire ceux qui produisent des intrants, les unités de recherche et de développement, ils sont là. Donc, le centre de recherche, l'INRA, l'EMSA, l'université, la formation. Et vous avez les instituts de développement. Vous avez le CNCC, on a l'État, on a l'IMPV, on peut avoir d'autres. Donc, les conditions préalables. Deuxième élément de succès, c'est un domaine d'activité circonscrit. Il faut partir sur une idée claire. Si la filière agrime, pas autre chose, pas de pomme de terre, pas autre chose. Si la filière agrime, donc il ne faut pas se disperser dans la nature. Troisième élément, c'est des partenariats visant des synergies. Ça veut dire que c'est des gens qui ont la volonté d'investir et de travailler dans ce pôle. De travailler en synergie sur des projets collaboratifs. Et bien sûr, une masse critique, une expertise suffisante. Moi, je pense, aujourd'hui dans la salle, monsieur le dans la salle, dans la salle, déjà, il y a une masse critique. En termes de formation, de recherche, de scientifiques, d'experts et en termes de professionnels. Donc ça, il faut qu'il y ait cette masse critique. La localisation, bien sûr, c'est l'espace. Donc on est dans la volière de Schluck, déjà. On peut définir la localisation. Et partager une vision et une coordination. Et c'est important de donner les mots, la vision et la coordination. Alors, la démarche, je termine avec cette démarche. Alors, tenant compte de la vocation agricole de la région de Schluck, celle-ci a un potentiel pour accueillir un pôle centré sur la filière agricole. On avait vu quels sont les éléments qui déterminent ce pôle. Préparer les opérateurs de la filière à la réalisation des premières étapes de la construction du pôle agricole. Il s'agit de réaliser un diagnostic rapide de la filière agricole, l'état du lieu, exhaustif, en détail, dans la région. Une étude approfondie permettant d'identifier les acteurs de terrain, les producteurs, l'agriculteur, les transformateurs, les chercheurs, les formateurs, et d'évaluer les capacités d'adhésion au processus de construction du pôle. Très important, les capacités d'adhésion. L'étude devra aussi apprécier de manière précise les atouts et les faiblesses de la filière dans la région. Donc, par exemple, l'étude soit dans ces faiblesses, dans cette opportunité. Et l'installation d'un comité de pilotage qui doit piloter toute cette dynamique. Alors, la conduite participative de la construction d'un tel projet est une condition essentielle de réussite. Ce n'est plus les anciennes expériences. Ce n'est plus moi je décide, moi je réfléchis, vous vous appliquez. C'est tout le monde qui participe dans le processus au départ. Avant qu'il départe le train, tout le monde sait la destination, il connaît la vitesse de marche, il connaît ce qu'il y a à l'intérieur du train, où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va prendre le café. Tous ces éléments d'information, ils sont au départ. Donc les gens, ils ne sont pas prêts à participer si vous ne partagez pas avec eux l'idée de base au départ. Ça, c'est quelque chose de très important. La démarche prévue doit être ascendante, donc c'est clair. Donc c'est la base qui va déterminer un peu les objectifs. L'élaboration des projets ne peut être faite d'un petit groupe, d'experts coupés, des acteurs publics et privés. C'est ça que les habitudes permettent. Donc il faut revoir même les habitudes permettent. Pour être compétitif, il faut tout remettre en cause. Même les méthodes de travail de réflexion. Il faut partager.
mise en place du groupe de travail, mise en place d'un comité de pilotage et réalisation d'une consultation des opérateurs de base pour accompagner l'enquête des marges du projet. Alors, il y a le démarrage, il y a toutes les étapes qu'il faudrait faire. Et en guise de conclusion, je vous donne un peu l'expérience qu'on est en train de vivre, nous, à notre école. Nous aussi, on a un projet agroport qu'on essaie de lancer avec nos partenaires des institutions de l'État, publiques, privées, nos partenaires de la recherche. Vous voyez l'ENSA avec ses liens de la formation de la recherche et le monde professionnel. La flèche, elle est en point de couper. Ça veut dire qu'il y a des liens toujours à titre personnel, mais on veut institutionnaliser les relations. Donc on veut conventionner les relations et les permanentiser ces relations, qu'ils soient tenues à la personne, parce que la personne travaille. Donc il faut avoir des cultures d'institutionnaliser. Et l'objectif, si on tricolore, c'est que l'agropole, l'animateur de la filière agro en Algérie, avec des projets collaboratifs localisés, avec la formation de la recherche et le monde professionnel. En tous les cas, Monsieur le Président, je termine. Moi, en tant que ENSA, en tant que chercheur dans le domaine, la deuxième casquette, en tant que responsable de la coopération de l'école, je le dis ici à l'université de Hassib Abdoulaye, que l'école est disposée à partager les compétences, les moyens et tout ce que vous pouvez disposer pour faire réussir un projet pareil ou autre. Donc l'école est ouverte à tous les usagers, les utilisateurs. C'est votre école. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Omarit. Donc, avant de passer à la prochaine intervention, je voudrais savoir si nos amis italiens ont pu suivre. Je ne sais pas, je vais poser la question.